On enchaîne avec un petit challenge de 6 jours. Je ne l'ai encore jamais fait sur la chaîne. C'est un carnet. Bon, carnet de millionnaire, on en a fait plein. C'est le carnet qu'on a fait le plus. Parce que je vise le Lion Mi. Juste un Lion Mi, j'arrête mes conneries. Donc, carnet de millionnaire aléatoire. Donc, c'est-à-dire que je vais chez 5 buralistes différents pour chaque session. Donc, il y aura 6 sessions. 300 euros de mise. Comme un carnet. Et j'essaye d'avoir tous les numéros de millionnaires différents. Donc, en fait, là, je suis allé chez 5 buralistes différents. Et ça tombe bien, je suis déjà pas tombé sur le même numéro. J'ai eu 1,28. 1,15, 1,22, 1,21 et 1,17. Et le but, ben, on prend des risques. Comme on ne prend pas de risques, on peut peut-être tomber plusieurs fois sur des 100 ou des 150 ou des 50 ou je ne sais pas. Mais on peut aussi tomber souvent bredouille. Donc on va voir ce que ça va donner sur ce challenge. Et donc demain, je vous donne des numéros différents. Il faut que ça aille ben, de 0 à 29 forcément parce qu'on va se faire tous les numéros de tickets. Donc la seule contrainte, enfin les seules contraintes, c'est d'avoir à chaque fois de jamais retaper le même numéro. Donc là, vous verrez sur ces 6 épisodes, vous verrez une seule fois le 28, une seule fois le 15, voilà. Parce qu'on se fait un quart comme si on se faisait un carnet complet. Mais par contre, à chaque fois, ça vient de 5 buralistes différents. Donc à chaque session, c'est 5 buralistes différents. Mais je peux retourner demain chez les mêmes buralistes que je suis allé aujourd'hui, en fait. Donc ils peuvent se croiser, ça peut encore être les mêmes carnets. Mais je vais essayer de varier les buralistes, de faire vraiment un grand nombre différent de buralistes. On fait dans l'ordre, là, ouais, on fait 15 comme ça. Ouais, on fait comme ça, viens, allez, c'est parti, le 28, on cherche même pas, les amis. Par contre, j'aurais dû noter les noms des buralistes, ça aurait été sympa. Je vais aller en chercher un au trèfle d'or, au vauginois, comment ça s'appelle, au Cyrano, celui au Deauville, et celui, j'ai plus le nom, celui qui est, ceux qui connaissent Vesoul, direction Échenaud-Lamelin, dans la montée à gauche, mince, je l'avais le nom. C'est derrière l'église du Sacré-Cœur, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bref, enfin, peu importe. C'est parti, j'arrête ma flûte. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ce concept va vous plaire. Et je suis pressé de savoir le résultat. J'espère que ça ira dans le bon sens et qu'il y aura des pompes. Des pompes. Les pompes. Les pompes. Sinon, on sort le pompe. Les amis, ça dit quoi? On fait quoi? On n'a rien du tout. Joué avec modération, bien sûr. Hein. Et n'oubliez pas, vous êtes nombreux à vous abonner. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux arrivés en cours de chemin, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui viennent d'arriver, et à tout le monde, ceux qui sont désabonnés, ceux qui sont abonnés, ceux qui sont désabonnés, réabonnés. Merci à vous tous, les amis. Franchement, merci. Les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. On fait le clip. On tape le clip. Alors, on a quoi? Le clip des 50K. Parce que si j'attends les 100K... Ça va durer un petit moment. Le 10, le 100, le 50, le 20, 1000, 10 000, 100 000, le 100. Quoique, ça peut aller vite. Hein. Il suffit d'une vidéo où on a le Lion Mi. Là, ça va se partager, ça va se partager. Et puis, ça y est, ça va monter. Mais bon, comme on a très peu de chances d'avoir le Lion Mi, vous le voyez, les amis, ça fait 5 ans qu'on court après. 28, 22. J'espère que la qualité est bonne. Mon retour est pas top. Si, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça passe, ça passe. Avec la Gringotts Bank. Je me suis dit, c'est avec cette pièce qu'on va faire de l'oseille et pas des groseilles. On n'a rien. C'était L23 et Mika qui me l'avait envoyé, celle-là, qui l'avait envoyé à la Bernadette Bernadouille. Hein. Ça faisait partie d'un lot. Franchement, grosse dédicace. Les amis, ils habitent dans le 69 maintenant. Bonjour à nos amis du 69. Ça rigole pas. Là, on n'a rien, rien du tout. Premier millionnaire, bredouille. Si je suis allé chercher chaque ticket bredouille chez chaque buraliste, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Allez, hop, on va quand même dézoomer un petit peu. Ticket 15, cette fois-ci c'est le 15. Carnet de millionnaire aléatoire, carnet de millionnaire bredouille, ouais. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. On n'a rien, rien de rien. 150, 50, 1000, 1 million, 10, 100 000 et 20. Ça dit quoi? 10 000, 10 000, 1 million, 100 000, 150, 50. On va pas être bredouille dès le premier épisode. 6,
7, on fait 6, 13. Non, mais les amis. La besace. Pas de besace, c'était la bredouille, effectivement. J'ai lu dans le turfu. Il reste encore un troisième, donc on se mise à chaque fois 50 euros de millionnaire. Donc c'est pour ça que ça durera 6 épisodes. Allez, je crois qu'on va se gratter le rond de la superstition parce qu'on est superstitieux et ambitieux. Tu peux être le prince de la ville si tu veux. Jusqu'ici, tout va pas bien. On n'a rien de rien, mais on regrette rien. Rien du tout. Il y a eu 20, 100 000, 100, 10 000, 50, 150, 10 et 1000. On tapera pas dans le 1000. 19 à battre, on fait 13. 23, on fait 22. On s'approche et 20, on fait 15. On s'éloigne. On s'éloigne du lion mi. Allez. La besace. Pour l'instant, on est à moins 30 dans ce challenge. Pourquoi il y a des challenges qui me sortent dans la tête comme ça? Des challenges improbables. On aime prendre des risques ou quoi? Le goût du risque, oui. C'est pire qu'un goût du risque, le goût de la bredouille. Allez, ticket 21, c'est parti. Donc, il faut bien que je note qu'on aura fait le 15, le 22, le 28, le 21 et le 17. Allez, on peut le faire. Ah, j'ai cru qu'on avait les palmiers, mais on n'a pas les palmiers, on n'a rien, rien de rien. Allez. 150, 10 000, 100 000, 20, 10 000, 100. Allez, s'il vous plaît, au moins un petit gain lors du premier épisode. Parce que là, ça démarre très mal, ce concept. Je savais que je prenais des risques. Mais quand même, même un petit 10 boules à 20 boules. Enfin non, une fois qu'on aura un gain, on voudra bien plus que ça. 10, 10 000, 1000, 150, 100, 100 000, 50 et 20. Je suis allé chez les mauvais buralistes au mauvais moment. Je suis allé au mauvais moment chez les buralistes. Parce qu'on a vu qu'en général, dans les carnets, il y a quand même bon, il n'y a pas tout le temps, mais on peut tomber sur des beaux tickets quand même. Enfin, des beaux tickets. Malheureusement, maintenant, un beau ticket, c'est un ticket à 100, quoi. C'est malheureux, ça fait peur, quoi. Et jouez avec modération, vous le voyez de vous-même. Le 21 était perdant. Allez, s'il vous plaît, j'espère que j'ai gardé le gagnant pour la fin, le 17. C'est parti. Je sais même pas de quel buraliste il vient, mais peu importe. En tout cas, ce carnet challenge, notre seule chance de pas être bredouille, c'est d'avoir un gain. On a la perdasse. J'espère qu'on passera pas à l'as. Qu'on a la perdasse, les amis, c'est pas pour passer à l'as. Et en plus, ça tombe bien parce que ce concept, il nous mène jusqu'au 30 juin. Et après, on passera au 1er juillet pour le nouveau concept. Donc ça, c'est une bonne chose. Il nous fait aller jusqu'au 30 juin, ce concept. C'est une très très belle chose. Donc là, on aura un gain, on sera pas bredouille. On sera pas bredouille. 10, 100, 50, 100 000, 1000, 20, 150 et le lion mille. On n'a rien. 19, on fait 18. 9, on fait 8. 29, on fait 25. Ok. La besace. Et il n'y a pas de besace, les amis. Tout est possible. Ça peut très bien être 10, mais comme 20, mais comme 30, mais comme... Ah non, pas 30, pardon. Mais comme 50, mais comme 100, mais comme 150. Attendez, c'était... On a plus de chances de gagner 20 que 10. Alors donne-nous minimum 20, on limiterait bien les dégâts. Pour aujourd'hui, et plus, 50, on est bon. 50, comme ça, on est remboursé. Et ça sera un 20 boules ou je remboule le 20 boules de récupérer. Pour l'instant, on est à moins 30.
moins 30 dans ce challenge. Un ticket gagnant, c'est le 17 à 20 boules. Je vous avoue que j'ai lancé ce concept, je suis encore pas allé chercher la suite. Mais là, je vais essayer d'en prendre plusieurs chez les buralistes pour avoir des numéros qui correspondent. Mais il faut qu'à chaque session, ça vienne de 5 buralistes différents. Donc c'est à moi de m'arranger pour qu'on ait à chaque fois au moins 5 sessions avec 5 buralistes différents. Pour l'instant, j'ai fait 5 buralistes, mais je vais aller vers d'autres. Là, je vais aller vers d'autres. Comme ça, au maximum, je pense, sur ce carnet, on aura 8, 9, peut-être 10, oui, peut-être 10, 11 buralistes. 11 buralistes, c'est jouable. 11 buralistes. Allez, et j'espère que sur la liste, il y aura des bons buralistes sur la liste. C'est-à-dire qu'on va faire les 100K. Ah si, il y a 100K sur ce ticket. Le Lyon-Mi. Et si on fait pas Lyon-Mi, juste un 100K, j'arrête le 1000K. On a une chance sur 1,5 million de faire les 100K. C'est peut-être un signe. J'en ai parlé, c'est peut-être un signe. Prenez soin de vous les amis, j'espère que ce concept vous plaît. Je sais que vous auriez aimé que je fasse avec d'autres tickets. On le refera si ça marche bien, on pourra faire avec d'autres tickets. En parallèle de notre concept principal des carnets et puis peut-être d'autres concepts. Tiens, il faudrait que je vous refasse une FDJ Battle X Royale ou une FDJ Battle Royale tout court. Il faut qu'on se refasse des petits kiffs comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit et surtout une très bonne santé. Tof la win, rend l'antenne.